Hello tout le monde, c'est Ashley. Donc ça fait bientôt 2 semaines déjà que vous ne m'aviez pas vue. J'étais en train de me chercher, donc j'ai été beaucoup conseillée. Je ne savais pas par quoi commencer et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les produits Primark. Primark ou Primark, peu importe, on est en France, moi j'ai toujours prononcé Primark, donc voilà, libre à moi de dire Primark. Alors aujourd'hui j'ai décidé de mettre ce petit serre-tête, voilà, pour éviter que mes cheveux aillent sur mon visage pendant que je me maquille. Et je vais commencer par ce fond de teint. Donc ça c'est le fond de teint de Primark, donc couleur médium. Comme vous pouvez le constater, on voit une grosse différence entre ma peau et le fond de teint. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 couleurs, donc light, medium et dark. Moi, j'ai choisi le medium en sachant qu'on est en plein été. Et donc, le light, c'était vraiment pas possible. Je voulais pas ressembler à Michael Jackson, voilà. Donc, j'ai acheté le pack Blender à 1,80€ seulement. Je préfère la mettre comme ceci, hein. Voilà. Donc, c'est une matière un peu crémeuse. Pour l'instant, ça va. Bon, c'est juste la couleur qui me dérange. Voilà. On estompe bien. Alors, ce que je pense réellement du fond de teint, donc bon, d'habitude les fonds de teint ne cachent pas tous mes défauts, mais là, enfin, on voit toujours, vous voyez, des petits boutons. C'est, on dirait que ça les ressort encore plus. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer donc ce correcteur médium. Voilà. On applique donc là sous les yeux. Donc c'est une matière un peu liquide crémeuse, on va dire. Moi j'aime beaucoup. Vous savez, des fois le maquillage, on sait de suite quand ça va gratter ou pas. Et celui-ci, pour l'instant, il me laisse une bonne impression. Voilà. Hop là. Une fois que cela est fait, je prends mon éponge. Donc, hop là, je l'humidifie. Et voilà, j'estompe le tout. C'est un correcteur franchement très bien et qui coûte 3€ seulement. Je suis très satisfaite. Ensuite, prendre donc cette petite palette, donc au Bronze Me Up. Donc elle était à 4€ au lieu de 8€. Donc elle est composée d'highlight et de contour. Hop là. Bon, ma fille a déjà gâté la palette. Voilà, on y trouve un petit miroir. C'est vraiment très sympa. On a des bases crémeuses, des bases en poudre et des highlighters sur le dessus. Donc là, je vais prendre le ton clair crémeux. Hop. On l'applique en dessous des yeux. Donc comme un contour basique, quoi. Donc voilà, sous les yeux, c'est fait. Sur le nez maintenant. Hop là. Le front. Le dessus de la bouche. Et en dessous de la lèvre. Je reprends mon éponge pour estomper le tout. Alors là, j'ai l'impression que ça va donner un bon résultat. Donc attendez, je modifie un peu plus mon éponge. Alors moi, je trouve qu'on met vraiment, vraiment, mais beaucoup de temps à estomper. Donc la prochaine fois, j'essaierai d'en mettre un peu moins pour voir ce que ça donne. Et voilà. Ensuite, on va appliquer la couleur marron en crème. Hop là. Donc dans le creux des joues. D'habitude, moi, je mets un marron à peine plus foncé. Enfin, ce marron, je le trouve un peu bizarre. Et vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Là au-dessus du front. Ici. On enlève le double menton. Hop là. Hop là.
et puis on vient estomper. C'est bien ce que je disais, cette couleur, enfin moi, vu que le fond de teint était foncé, c'est-à-dire qu'on voit pas très bien. Non, je suis un peu déçue. Écoutez, moi j'ai juste l'impression d'avoir remis le même fond de teint qu'au début. Très bizarre, donc heureusement j'ai pris ce correcteur couleur moyen, mais cette fois-ci c'est marron. De l'autre sens, je pense que c'est un peu mieux. Voilà, donc pareil, 3 euros, je vais l'appliquer dans le creux des joues. J'en mets vraiment pas beaucoup, c'est une couleur vraiment foncée. Alors je sais que vous me voyez avec une forte lumière, mais moi vu de mon miroir, franchement c'est au top, hein. Moi j'aime bien, franchement ce marron est beaucoup plus meuble que celui de la palette. Voilà, voilà. Donc je vais quand même appliquer une poudre de finition. Attention, ce n'est pas de Primark, tout simplement parce que j'en ai pas trouvé. Et puis enfin, je veux vraiment que vous voyez un beau résultat malgré le fond de teint trop foncé. Donc là j'en mets en dessous du creux de la joue pour bien marquer le trait. Voilà. Vraiment. On laisse un peu poser donc la poudre de finition. En attendant, on va venir appliquer les tons foncés avec la poudre marron, donc en poudre. Hop, dans les creux des joues. Oh là là, j'aime beaucoup. Ah, je trouve que ça va donner un bon résultat. Au-dessus du front. J'en mets pas beaucoup vu que le fond de teint est vraiment foncé. Je préfère accentuer sur les joues. Juste là. Hop là. En dessous. On enlève le double menton. N'oubliez pas les côtés. Puis nous allons accentuer les tons clairs avec la poudre cette fois-ci. Voilà. Hop. J'adore. Je sais pas comment vous voyez, mais franchement, je trouve que les poudres sont vraiment canes. Donc, j'utilise ce gros pinceau. À la base, c'était pour estomper, mais j'aime bien appliquer les poudres avec ce pinceau, ça donne un peu plus de précision, je trouve. Ce n'est que mon avis. Voilà. Et le ton clair au milieu du nez. Hop là, pour qu'il soit bien tracé. Bon, j'ai pas l'habitude de faire le nez, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit mal fait. Je vais venir appliquer ma poudre bronzante. Donc je n'ai pas trouvé de blush ou de poudre à mon teint chez Primark, donc du coup j'en ai acheté une à Kiko pour rester un peu dans le discount. Hop là. Ça rend vraiment vraiment bien, hein. Alors vous, je sais que vous voyez pour l'instant c'est pas encore trop ça, mais moi je me vois au miroir. Et franchement, j'adore. Alors, si les traits sont vraiment prononcés, n'oubliez pas de vraiment, vraiment estomper. Hop là. Utiliser donc la poudre marron, hop là, pour mettre sur le nez, le contour du nez. Hop là. Ensuite j'ai acheté donc deux fossiles.
sont vraiment super. Hein. Ils ont l'air en tout cas. Donc celui-ci est à 1,50€. Il a l'air un peu naturel, un peu long. On va l'essayer pour voir ce que ça donne. Et celui-ci en 3D. Donc en temps normal, je sais que celui-ci m'attire un peu plus. Enfin, j'aime bien tout ce qui est vraiment... qui accentue le regard. Mais pour la peine, je vais utiliser celui-ci pour voir moi-même ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai appliqué les faux cils. Donc franchement, je suis une fan. Donc je pensais couper la longueur, mais... finalement, je pense que je vais les laisser comme ça. Mais en revanche, la colle, c'est pas du tout ça. Enfin, j'ai mis du temps à les couler. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé cette partie. Je vous conseille donc d'acheter une autre colle. Mais concernant les faux cils, ils sont au top du top. Ensuite, appliquer donc l'highlighter. Donc, je vais venir appliquer celui-ci. C'est un teint un peu foncé à vue d'œil. Mais regardez, le rendu, ça, c'est vraiment doré. Hein. Oh là là, le kiff. Donc on met sous les yeux. Mais faut aussi, je suis vraiment fan. Oh là là. Les miens, regardez, on va faire comme ça. Hop là. Au-dessus de la bouche. Un tout petit peu sur le front. Moi j'aime bien insister, voilà, sur le regard. J'ai laissé un peu de suspense pour les lèvres. Vous allez de suite comprendre pourquoi. J'ai pris deux lip kits. Hop, ils sont là, et un PS Nude, voilà, ça nous fait penser à la marque Kylie Jenner. Et puis regardez, quand on voit ça, franchement, on a grave envie de le prendre. Premièrement, je vais vous montrer celui-ci. Donc une copine m'a encouragé à le prendre, m'a dit regarde et tout, il va trop bien t'aller. C'est couleur mesmerise et on essaye de suite. Il est plutôt pas mal, mais il faut être honnête, ça me va pas du tout. Enfin, surtout quand on voit ça, on s'attend vraiment à ce que nos lèvres soient bien brillantes. Enfin, voilà, il y a marqué Lipe Gloss. Enfin, pour moi, c'est un rouge à lèvres en crème. Regardez, voilà. Donc, c'est la même couleur que ma peau, à peu près. Je trouve pas ça fabuleux. Ensuite, je vais vous montrer la couleur Hush. Je sais pas si on le prononce comme ça. Donc, les lèvres sont censées être vraiment... Moi, j'aime bien tout ce qui est nude. Enfin, voilà. Vous voyez un peu le truc. Ouh, écoutez, c'est vraiment horrible ce qui se passe. Oh, couleur Hush. On dirait... Enfin, je viens de me refaire la bouche. Et pour finir, on a la couleur Chocolate Brownie. Voilà, on essaye ça de suite. J'ai enfin trouvé mon bonheur. Donc voilà, donc celui-ci c'est Chocolate Brownie, n'oubliez pas. Très contente. Et pour finir, j'applique le spray de finition. Voilà. Sur le visage. Alors moi je suis juste morte de rire parce que regardez. Bon, je sais, j'en ai mis beaucoup quand même, mais j'en mets toujours comme ça d'habitude. Et mon visage est mouillé, c'est-à-dire qu'on dirait. On dirait que je me suis aspergée d'eau, mais comme jamais. Oh my god. Ça n'a pas l'air de sécher. Je pense que ça a enfin séché. Ben écoutez, ça a une sensation de picotement. Là, je suis pas très satisfaite. On dirait du plastique, mon visage. Enfin, c'est... ça a l'air de péguer un peu, vous voyez. Oh.
Donc la prochaine fois, je sais que je n'utiliserai pas ce spray. Au moins, c'est fait. Et voilà les amis, donc le make-up est terminé. Donc moi, je tenais à vous préciser que j'ai tout appliqué avec vraiment les produits Primark. Je vous ai dit quand j'ai utilisé d'autres produits. Quand même, je tenais à vous préciser que voilà, mes faux cils ne sont pas bien fixés. Enfin, moi, je trouve que là, n'est pas bien fixé, mais j'ai utilisé la colle Primark. Je voulais pas vous fausser, vous dire que ça coulait bien alors que pas du tout. Voilà. Voilà, donc dans l'ensemble, je suis un peu satisfaite. C'est-à-dire que le spray fini, je trouve qu'il m'a un peu tout cassé. Voilà, ce n'est que mon avis. Enfin, je trouve que ça fait compact. Enfin, je sais pas. Voilà, j'attends votre avis en commentaire. N'oubliez pas d'actionner la cloche si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et puis de mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous aimez ma vidéo. Je vous fais tout plein de bisous. Mouah!